Bonjour, je m'appelle Marie-Michaëlle, j'ai 25 ans. Je suis étudiante au campus Notre-Dame-de-Foy en estimation de bâtiment et je suis une maman de deux petites filles. J'ai toujours eu plus de difficultés. J'ai été diagnostiquée TDAH dans ma jeunesse. J'ai fait mon secondaire 1-3 fois, puis rendue à secondaire 3 avec des plus jeunes que moi. C'est là que j'ai eu plus de difficultés, puis j'ai abandonné l'école. Donc, quand que j'ai arrêté l'école à mes 16 ans, j'avais toujours en arrière, dans mes pensées, d'aller me chercher mon secondaire. C'était quelque chose qui était important pour moi. La première fois que j'ai rencontré la conseillère en orientation chez SARCA, c'était même dans mes tout débuts. Puis, elle a été témoin aussi de mes hauts et bas, de mon désir d'avoir mes études, mais sans vraiment être prête. Fait que pendant ces 4 ans-là, j'ai eu un suivi avec ma conseillère. Elle allait quand même me donner les conseils puis les informations nécessaires jusqu'au moment où j'ai dit « je suis déterminée à avoir mon secondaire 5 ». Au début, quand j'ai commencé en juillet 2014, j'étais supposée faire mon secondaire 3-4. On me donnait à peu près un an pour le faire. Par contre, ça a été très, très bien. Donc, à l'automne, quand on a réalisé que je devançais énormément les choses, on a vérifié peut-être d'autres options pour aller plus loin. On m'a montré le programme d'estimation de bâtiment. Puis, je trouvais ça merveilleux, mais ça me faisait peur. J'étais comme le cégep, tu sais. Moi, jusqu'à quelques mois de ça, j'avais mon secondaire 2. J'avais beaucoup de difficultés à imaginer que je pouvais aller au cégep. J'ai probablement eu beaucoup de chance de tomber sur des bonnes personnes, comme ici, au Centre Saint-Louis. Ils savent comment nous encourager, tout en nous respectant, en fait, sans nous donner la pression. C'est comme un choix qu'ils nous donnent. Puis le moment qu'on prend le choix, c'est là qu'ils nous montrent que toutes les ressources puis tout ce qu'on a de besoin, tant qu'on est déterminé, on peut réussir. Travailler dans mon domaine à fond, avec la fierté d'avoir accompli tout ça, ce qui représente gros pour moi, pour ma famille aussi. Donc, ça va être juste de continuer avec ma vie de famille puis d'être fière. Yeah.